Le 3 janvier 2001, à Lorca, dans la province de Murcia, un accident de la route fait 12 morts. Tous les 12 étaient des travailleurs agricoles équatoriens. Ils étaient tous en situation irrégulière en Espagne. Cet accident a levé le voile sur une réalité que beaucoup connaissaient, mais que curieusement, peut-être parce qu'elle convient à tout le monde, personne ne dénonce ni veut modifier. Cette réalité, ce sont des milliers d'immigrants irréguliers qui s'intègrent à l'économie espagnole en lui offrant une main-d'œuvre incomparablement moins chère que n'importe quel travailleur embauché légalement. Je sais bien que l'immigration illégale ne commence pas avec les Équatoriens qui fuient massivement l'économie appauvrie et dollarisée de leur pays. Je sais que ce n'est pas un problème exclusif de l'Espagne. Pendant que je tournais ce film, 15 cadavres de naufragés ont été repêchés au large de l'île de Saint-Martin, dans les Caraïbes. C'étaient des Dominicains qui tentaient ainsi d'atteindre un territoire français. Il y a un an, 58 Chinois étaient morts asphyxiés à l'intérieur d'un camion qui était supposé les faire entrer en Angleterre. Tous les jours, il y a des Marocains qui périssent en tentant de traverser la Méditerranée à bord d'embarcations de fortune. Les États-Unis essaient de fermer hermétiquement les 2000 km de frontière avec le Mexique. Et des milliers de Latino-Américains tentent chaque année de traverser cette frontière. En Espagne, après l'accident de Lorca, des immigrants occupent des églises en exigeant leur régularisation. Il y a des manifestations qui soutiennent leurs demandes et des partis politiques et des organisations sociales dénoncent une situation qui rappelle l'esclavagisme, mais qui se produit aujourd'hui en Europe, au début du XXIe siècle. Je suis à quelques heures de train de Madrid. Je décide d'aller voir ce qui se passe pour essayer de comprendre. À raíz de l'accidente de Lorca, cientos de empresarios que tenían contratado a inmigrantes irregulares, Depuis l'accident de Lorca, des centaines d'entreprises agricoles qui faisaient travailler des immigrants irréguliers, sans contrat, ne les embauchent plus parce qu'ils craignent les inspections et les amendes. C'est douloureux qu'il ait fallu la mort de 12 camarades pour que cette situation soit connue du public et que la société espagnole nous aide dans la revendication des droits des immigrés. C'est au moment où nous disons clairement que tous les travailleurs, qu'ils soient équatoriens, colombiens, marocains, de n'importe quelle nationalité, du moment qu'ils travaillent ici, doivent avoir les mêmes droits que les travailleurs espagnols. C'est à ce moment-là que le problème se pose et la seule solution qu'on nous propose, c'est de quitter le territoire.